Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous souhaite la bienvenue au Collège Belgique de l'Académie Royale de Belgique et en ma qualité d'administrateur délégué, il me revient ce soir de suppléer la professeure Vinciane Pirène-Delforche, mais qui arrive. La circulation est très chaotique à Bruxelles depuis une semaine et donc il y a du retard, mais la professeure va évidemment nous rejoindre ce soir. Mais il était prévu, vous le voyez, qu'elle introduise la conférence de ce soir. Et celle-ci ne pouvant le faire, j'ai donc l'honneur de la suppléer. Alors, nous sommes à l'intérieur d'un cycle. Le collège organise des cours et des conférences, mais il organise aussi un cycle. Et celui-ci est un cycle qui travaille la question de la religion et du politique dans les mondes anciens, et notamment la question des agents en contexte, d'où la conférence de ce soir sur la régulation du religieux en Grèce et à Rome, normes, rites et prêtres au service des dieux. Et c'est donc une nouvelle séance de ce cycle de quatre cours conférences qui, ce soir, est donc donnée par deux jeunes chercheurs de l'Université de Liège, Madame Liselotte Liégeois et Monsieur Julien Dechevet, qui prononceront donc la conférence de ce soir. Alors permettez-moi, mesdames, messieurs, de les présenter brièvement et de mentionner que donc Madame Liégeois est d'origine française, mais doctorante à l'Université de Liège. Elle est titulaire d'une maîtrise en histoire de cette même université et avec une bourse de l'Université de Liège, elle est dans sa deuxième année de rédaction de thèse, elle rédige une thèse sur le système normatif à Rome sous la période républicaine, ce qui couvre les années de 509 pardon, à 27 avant l'ère commune, et c'est une thèse qu'elle mène sous la direction du professeur Berthelet. Et puis le deuxième conférencier de ce soir est un Liégeois, M. Dechevet, que nous accueillons aussi avec bonheur et honneur à l'Académie. M. Dechevet est titulaire, quant à lui, d'une maîtrise en philologie classique de l'Université de Liège. Et il est actuellement, et il me plaît de le mentionner en raison des liens entre nos deux institutions, il est actuellement aspirant du Fonds national de la recherche scientifique et il rédige, il travaille à une thèse de doctorat sous la direction de la professeure Vinciane Pirène-Delforche, une thèse de doctorat qui travaille la question des ventes de prêtrise dans, évidemment, cette époque historique de l'Antiquité. Alors, je les remercie tous les deux, d'ailleurs comme tous les autres participants de ce cycle, d'honorer l'Académie et singulièrement le Collège de leur participation, de l'apport d'une recherche d'actualité qui a aussi une spécificité que il y a parmi tous les conférenciers un véritable travail en équipe qui se fait, notamment avec mon confrère, le professeur Jean Winan et la professeure du Collège de France, Vinciane Pirène-Delforche. Et donc c'est un vrai bonheur d'accueillir ces jeunes chercheurs de pointe, bien entendu, ici à l'Académie, sur un sujet aussi important et aussi passionnant que celui-là. Et donc, je leur souhaite une fructueuse conférence. La professeure Vinciane Pirène va bien entendu arriver. Et puis, comme toujours, au collège, après les contributions de Madame Liégeois et de Monsieur Dechevet, il y aura, comme toujours, un temps de questions-réponses où vous pourrez vous entretenir avec nos deux conférenciers. Cher monsieur, chère madame, je vous donne la parole et je vous remercie par avance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'abord, monsieur Leclerc, pour avoir assuré un peu en dernière minute la présentation. Merci aussi à M. Winan pour avoir assuré la bonne organisation de manière générale de ce cycle de conférences. Donc cette semaine, c'est la semaine passée, pour ceux qui étaient présents au premier épisode, on a traité de la Mésopotamie et de l'Égypte. Cette semaine, la conférence d'aujourd'hui et celle de mes collègues demain portera sur la Grèce et la Rome, évidemment, la Grèce et la Rome
antique. Bien, bonsoir à toutes et tous. Alors, quand on explore la religion des mondes grecs et romains, on ne peut que constater l'importance de la culture antique dans le patrimoine moderne et, en premier lieu, les nombreuses divinités auxquelles ces communautés rendaient hommage. Aujourd'hui, leur statut s'élève dans les musées, ornent encore les monuments et les galeries, décorent les parcs et les jardins, leurs représentations habillent les murs et nourrissent l'imaginaire artistique. Or, cette proximité que cette culture moderne semble entretenir avec l'Antiquité n'est qu'apparente. Deux raisons majeures justifient ce paradoxe. En premier lieu, le fait qu'elle nous est largement conservée par l'intermédiaire des humanistes de l'époque moderne. Et en second lieu, parce que 2000 ans de christianisme nous ont radicalement éloignés de la manière de penser des anciens. De fait, le fonctionnement des religions révélées à vocation universelle, pensez au christianisme et à l'islam par exemple, nous a habitués à considérer que l'on soit croyant ou non, que Dieu, avec une majuscule, était unique, exclusif et vrai. Or, le système polythéiste du monde gréco-romain était bien éloigné de ces conceptions. Tout d'abord, le polythéisme ne compte pas de fondateur qui aurait délivré une parole divine. C'est un système religieux sans révélation. Il ne se fonde pas non plus sur un écrit qui serait considéré comme sacré, pense à la Bible, à la Torah pour les religions monothéistes. En conséquence, il ne raisonne pas en termes de dogme considéré comme véritable et partagé par l'ensemble de la communauté. Il n'y a pas non plus d'église, même si le mot est d'origine grecque, ni d'autorité centralisée qui imposerait ces dogmes. L'exigence centrale de ces systèmes religieux n'est donc pas fondée sur le respect d'une croyance, mais bien sur l'exécution correcte de rites prescrits, ce que les savants modernes ont pris l'habitude de décrire comme une orthopraxie. Ce qui compte dans le système polythéiste gréco-romain, c'est l'exécution correcte des rites et moins la croyance en les divinités. L'absence de vérité partagée qui constituerait le fondement d'une foi et l'inexistence d'un système d'autorité centralisée qui régulerait la croyance pose la question de l'existence des instances et des sources d'autorité qui encadrent et légitiment les rituels dans lesquels s'engagent les communautés antiques. La pratique religieuse des Grecs et des Romains en particulier n'a-t-elle dès lors jamais fait l'objet d'une codification ou d'une régulation ? Pendant le temps qui nous est alloué, nous allons tenter de répondre à cette question en essayant de mettre en lumière certains des mécanismes de régulation en matière religieuse et les acteurs qui sont à l'œuvre en ce domaine. Dans un premier temps, nous allons observer le cadre dans lequel peuvent se développer ces normes religieuses et les procédures qui permettent d'en légitimer l'instauration. C'est à ce stade que le monde grec sera convoqué. Ensuite, à travers une procédure spécifique au monde romain, on analysera l'articulation des différentes normes civiques qui encadrent la procédure religieuse et la structure hiérarchique dans laquelle elles s'inscrivent. Prenons comme point de départ de la réflexion un texte qui est en fait à l'origine gravé sur le mur d'un sanctuaire, qui se situait sur le site d'Épidaure. Alors, Épidaure, on est dans l'actuelle Péloponnèse. C'est un sanctuaire qui était dédié à Asclépios et à Apollon. Vous avez une photo juste en bas. Le texte enregistre une régulation destinée à codifier le sacrifice qu'il faut accomplir à Asclépios et les actes qui l'encadrent. Donc vous avez par exemple le sacrifice d'un bœuf qui est concerné. Ensuite, on nous indique qu'on doit le sacrifier sur l'autel d'Asclépios. On doit consacrer une certaine portion, une certaine part. Ici, vous avez des aliments, du froment, du vin. Et puis ensuite, après le sacrifice, traditionnellement, on découpe les parts et on les remet à certains agents qui sont impliqués dans le sacrifice. Là, dans ce cas-là, par exemple, les aèdes, vous avez les hiéromnémons qui jouent aussi un rôle dans cette affaire. Alors d'emblée, on le voit, la portée de ce texte, elle est foncièrement normative. C'est-à-dire, l'aspect formel le laisse déjà bien sentir, on a des formulations subjonctives à l'impératif. Ce texte, comme beaucoup d'autres, régule la manière d'agir dans le cadre du rite en prescrivant une conduite à adopter dans le contexte rituel. Dans ce cadre, c'est l'entrée dans le sanctuaire qui est concernée. Alors, on l'a dit, la religion des Grecs et des Romains constitue en fait un système où c'est l'acte qui compte, où c'est la bonne pratique du rite qui est importante. Ces textes relève donc d'une forme d'autorité pour la personne qui s'engage dans une démarche rituelle et qui doit en conséquence agir en fonction de ce qu'elle lit sur le mur du sanctuaire ou du temple dans lequel la personne entre pour pratiquer le rite. L'autorité liée à un écrit existe donc bien dans la sphère religieuse dans les mondes antiques, mais dans des modalités qui sont vraiment très différentes des nôtres et que l'on se propose d'aborder dans cette première partie de la conférence. Le document
qu'on vient de lire à Épidaure est en fait représentatif d'une série d'autres qu'on a bien mis au jour durant les 19e et durant les 20e siècles. On a retrouvé tout un tas d'inscriptions qui procèdent vraiment de la même façon. C'est-à-dire que ce sont des témoignages qui régulent la pratique rituelle dans des lieux donnés et étaient, pour cette raison, affichés dans les temples et dans les sanctuaires locaux. Ou alors, par exemple, ici, au milieu, vous avez une borne. Elle n'était pas affichée sur un mur, mais elle était posée devant l'entrée d'un espace sacré. Ces documents ont en fait transformé la vision qu'on avait des religions antiques. La vision que longtemps les savants ont retenue, c'était en fait la vision transmise par les grands textes littéraires, comme l'Iliade, l'Odyssée ou encore la Théogonie. La Théogonie, Hésiode, c'est la naissance des dieux en fait. Et certes, pour les anciens eux-mêmes, cette grande tradition narrative constitue effectivement une sorte d'arrière-plan culturel commun, de patrimoine, dirait-on, patrimoine culturel, aujourd'hui de patrimoine partagé par l'ensemble des communautés grecques. C'est ce qu'un historien du 5e siècle, que je suppose vous connaissez tous, Hérodote, nous dit, quand il dit que ce sont eux, donc Homère et Hésiode, qui ont dans leurs poèmes fixé pour les Grecs une théogonie, ils ont attribué des surnoms, des compétences et des figures. À l'inverse, les inscriptions du type qu'on vient de voir pour Épidaure adoptent une toute autre perspective qui est différente, mais qui est en fait complémentaire. Ces inscriptions-là font plutôt état de la réalité quotidienne, de la réalité pratique du culte dans les temples, dans les sanctuaires locaux. Ils ont donc cet intérêt qu'il montre comment est-ce qu'on peut articuler ces grandes conceptions, ces grandes représentations partagées que nous ont transmises Homère et Hésiode, comment est-ce qu'on peut les articuler dans le contexte local de chacun des cultes qui est rendu dans chacune des cités du monde grec. Et en fait, quand vous lisez ces inscriptions, on est loin de la narration des poèmes homériques, on entre vraiment dans le caractère pratique du culte. On nous indique par exemple qui peut entrer dans le sanctuaire, comment doit-il se vêtir, que peut-il amener, quel dieu doit-on y convoquer, quand peut-il sacrifier, quel jour est-ce qu'il est prescrit de sacrifier ou pas. Puis on a des cas aussi qui sont parfois assez interpellants, assez marrants. Une femme ayant enfanté peut-elle s'y rendre? Sous quelles conditions? On va par exemple répondre, une femme ayant enfanté peut s'y rendre, mais il faut qu'elle se purifie et qu'elle attende X jours. Un homme ayant vu un défunt peut-il y entrer? Sous quelles conditions? Donc on est vraiment dans le caractère pratique, dans le caractère pragmatique de l'exécution du rite. Les savants modernes ont longtemps regroupé ces inscriptions sous l'appellation d'abord latine de leges sacra et donc en français de loi sacrée. Alors d'emblée, avec ce qu'on a dit en début de conférence, cette catégorie de loi sacrée pose problème. Et on voit, quand elle a été créée vers le 19-20e siècle, on voit toujours qu'à cette époque pèsent très très fort les anachronismes qu'on a dénoncés en début de conférence. En fait, dans les mondes anciens ne se sont jamais, en tout cas pour la Grèce et Rome, les mondes anciens ne se sont jamais fondés sur l'autorité divine d'une parole révélée, d'un livre qui était valable partout et tout le temps. Les lois sacrées, les textes qu'on vient de vous présenter et sur lesquels on va revenir abondamment aujourd'hui, n'ont rien de sacré en soi. L'objet en lui-même n'est pas sacré. Si sacralité il y a, c'est en fait le contenu de ces textes-là qui concerne le rapport avec les dieux, et surtout en contexte rituel. C'est pour ça que pour aujourd'hui, on parle plutôt de normes rituelles, c'est l'expression que j'emploierais, plutôt que de lois sacrées. Prenons un autre texte de cette catégorie, entre guillemets, qui provient de Gambreyon. Alors Gambreyon, on est près de Pergame. Pergame, on est dans l'actuelle Turquie. Pour l'anecdote, cette inscription-là était en fait, elle était en fait conservée au musée du cinquantenaire, non loin d'ici. Puis à un moment, elle a été perdue. Elle a été perdue, mais à l'université de Liège, dans les collections du pôle muséal, donc dans la collection d'épigraphie, on avait ce que vous avez à droite, c'est-à-dire un estampage, donc une forme de calque de l'inscription. Et donc on a pu, sans la pierre, mais avec le calque de l'université de Liège, on a pu faire toute une série de modifications très commodes pour améliorer notre conception du texte. Je ferme la parenthèse sur l'histoire de ce texte-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce texte? Le témoignage, Il enregistre ce qu'il présente comme une loi. En grec, c'est important, on y reviendra par la suite, c'est le mot « nomos » qui est convoqué. Une loi qui porte sur quoi? Donc une loi
qui entre en vigueur pour les Gambrayotes, donc les habitants de Gambrayen, et qui porte sur quoi ? Elle porte sur le deuil, la pratique du deuil, donc elle codifie la manière de se comporter en période de deuil. Vous voyez dans la suite du texte qu'on parle des vêtements qui doivent être portés en période de deuil. Je vous ai coupé cette partie-là, mais ensuite on aura des prières et des sacrifices qui entourent toute cette période après la perte d'un défunt. Alors, qui a promulgué cette loi ? On est en fait très très loin d'une autorité divine, d'une parole révélée. Ce texte, en fait, il émane de la cité. C'est la cité et ses institutions civiques qui ont promulgué cette loi, cette norme, en matière religieuse. Et on le sait par ce que vous avez en bleu. Ce que vous avez en bleu, ça s'apparente à un protocole officiel. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que la cité apposait sur les pierres, souvent, sur les inscriptions qui figuraient des normes validées, ratifiées par l'Assemblée, la fameuse Assemblée, les assemblées grecques, et qu'elle faisait implémenter dans les différents secteurs, dans les différents domaines qui étaient concernés par cette loi. Donc dans ce protocole officiel, vous avez par exemple la mention d'un magistrat, vous avez la datation, et vous avez cette petite phrase. Alexone, fils de Damon, a fait la proposition. Cette petite phrase-là, mine de rien, elle nous situe déjà le contexte dans lequel cette réglementation est passée, cette réglementation est votée. On est dans le contexte de l'assemblée, des assemblées populaires des cités grecques, les ecclésiailles en grec. Alexone, cet individu, ce citoyen, s'est levé à un moment en assemblée et a proposé toute une série de motions qui ont été ensuite discutées, validées et ratifiées en assemblée. Les motions qu'il a proposées, ce sont en fait l'ensemble de ce que vous avez là. C'est le produit fini ratifié par l'assemblée. Ce petit témoignage permet de poser plusieurs constats. La prise de décision, même en matière religieuse, s'inscrit dès lors dans un cadre pleinement civique et communautaire, puisque c'est la cité qui est à l'œuvre dans la création, la mise en forme et l'application de ces normes. S'il existe donc bien des formes d'autorité normative dans les mondes anciens, elles sont la plupart du temps produites dans le cadre habituel de la cité et de ses institutions. Ce constat a une implication toutefois pour la validité de ces réglementations. Alors si on reprend ce que vous avez en rouge, qu'une loi, qu'un nomos donc, entre en vigueur pour les Gambrayotes, chez les Gambrayotes, chez les habitants de Gambrayon. Cela signifie donc, en creux, hein, que cette loi, elle n'est valable qu'à Gambrayon. Donc elle n'est pas valable partout et tout le temps, elle est valable pour les habitants de la cité qui a promulgué cette norme. Ces normes rituelles ne sont donc pas valables partout et tout le temps, ce qui montre encore davantage l'écart avec le fonctionnement des systèmes religieux qui nous sont davantage familiers. Par le caractère local de ces normes, qui sont fondamentalement ancrées dans le contexte d'une cité et de ses institutions, on retrouve en cela une caractéristique particulière du monde grec en général. La Grèce, ce n'est pas un ensemble unifié, la Grèce est constituée d'une pluralité de cités. Pour le IVe siècle, on en dénombre près de 1000, donc approximativement 1039. Et chacune de ces cités, Sparte, Athènes, Pergame, etc., chacune de ces cités est régie par ses institutions propres, ses coutumes spécifiques et ses codes de loi particuliers. Par voie de conséquence, les rites qui sont pratiqués dans une cité ne sont pas, peut-être pas, directement les mêmes que ceux qui sont pratiqués dans la cité d'Athènes. Donc les rites, par exemple, d'Athènes ne sont pas directement les mêmes que ceux de Sparte. En tout cas, ce n'est pas obligatoire. Ce constat de la flexibilité, de la pluralité des pratiques, en fait, il sous-tend l'ensemble du système religieux des Grecs et aussi des Romains, dans des modalités un peu plus particulières. En tout cas, pour la Grèce, la pluralité, la flexibilité des représentations, c'est quelque chose qu'on retrouve constamment. Et on peut faire ce constat aussi pour la représentation que les Grecs ont de leur dieu. Le dieu d'une cité est peut-être différent du dieu de la cité d'à côté, en tout cas les aspects du dieu qui sont convoqués, les fonctions du dieu qui sont mobilisées, qui sont convoquées, peuvent différer. Prenons un cas concret, celui d'Héra. Alors Héra, que vous avez à votre droite, Héra, à Athènes, si vous allez à Athènes, elle pourrait être convoquée comme la gamélia, c'est-à-dire la protectrice du mariage. Si vous allez dans les îles de la mer Égée, là, elle sera convoquée comme basileia, c'est-à-dire la reine, donc c'est-à-dire la protection de la royauté, en sa qualité, évidemment, d'épouse de Zeus, vous l'aurez deviné. Si vous allez à Argos, une autre cité du monde grec, elle sera convoquée comme l'argeia, c'est-à-dire la protectrice de la cité, la protectrice d'Argos. En contexte grec,
Il n'y a pourtant là aucune contradiction. Qu'on parle de rite ou qu'on parle de Dieu, il n'y a pas de contradiction entre ces différents aspects. Dans la mesure où il n'existe pas d'autorité centralisée, d'autorité religieuse centrale qui prescrirait des rites à adopter ou des conceptions divines, des conceptions à propos des dieux à avoir. Faisons le même exercice pour les rituels. Et à cet égard, il y a un autre type d'inscription qui nous vient en aide, ce sont ce qu'on appelle les calendriers sacrificiels. Ce sont des inscriptions, généralement gravées sur pierre, qui codifient la pratique du sacrifice dans une cité en particulier. Alors pour rappel, encore, voilà encore l'écart avec les systèmes religieux qui nous sont plus familiers directement, pour rappel, le sacrifice dans les cités de Grèce et aussi à Rome, le sacrifice d'un animal domestique en l'occurrence, c'est l'acte fondamental de la pratique religieuse. Ça constitue le cœur de la relation que les anciens, ils entretiennent, ils créent avec leur divinité. On est face à des communautés qui sont foncièrement sacrifiantes. Et par là, on devine l'importance que la cité confère à la régulation de cet aspect. Retenez ça aussi pour les cas qu'on verra tout à l'heure. Alors ces textes, quand on fait l'épigraphie, ces textes sont, quand la pierre est bien conservée, très faciles à lire parce qu'ils sont très formulaires. Ils ont une structure qui est vraiment récurrente, systématique. On vous dit par exemple qu'au mois de Boédromion, c'est un mois, donc on vous dit quand sacrifier, on vous dit à qui, voilà, il faut invoquer Déméter. Et on vous dit ce qu'il faut sacrifier. Dans ce cas-ci, on nous indique qu'il faut sacrifier un animal adulte. Et alors, les précisions sont relativement importantes, puisque dans certains cas, où on précisera l'espèce, le sexe, l'âge, par exemple, certains calendriers prescrivent une brebis de velage rouge de 300 drachmes. Donc la précision est vraiment, vraiment minutieuse, ce qui montre aussi l'importance que les anciens conféraient à ce genre de pratique. Revenons à nos calendriers, à notre pluralité des rites que l'on a entre les cités. Prenons ce premier calendrier que vous avez au-dessus, c'est un calendrier datique, donc autour d'Athènes. On nous prescrit, entre autres, un sacrifice pour Apollon, et qu'est-ce qu'on doit sacrifier? Un porcelet. Jusque-là, va bien. Ensuite, on va à Thassos, une très jolie île pour des vacances aussi. On est face à la Thrace, donc au nord de la mer Égée. On retrouve notre Apollon. Par contre, le porcelet est dans ce cas-ci interdit. On ne peut pas sacrifier un porcelet à Apollon, à Thassos, en tout cas dans ce contexte-là. Selon les lieux, un même animal est donc tantôt recommandé, tantôt interdit pour Apollon. Par là, on voit bien que d'une cité à l'autre, les rites diffèrent, même si c'est un même dieu qui est concerné, et cela sans poser de problème. On n'est pas chez les Grecs, que ce soit pour les dieux ou pour les rites, on n'est pas dans une logique de contradiction. Donc les Grecs ne cherchent pas, en fait, cette contradiction. À ce stade, un petit excursus par le monde romain peut s'avérer intéressant. Les caractéristiques que l'on a soulignées pour le monde grec renvoient à un modèle culturel qui était partagé par la plupart des cités du monde antique, où le modèle civique, la population, était au centre de la pratique religieuse. La particularité de Rome est que la prise en charge des affaires religieuses était déléguée, selon une organisation assez complexe, à différents collèges qui avaient chacun ses propres particularités et ses prérogatives. L'organisation du système bénéficie donc de collèges différents, avec des prérogatives différentes, et le tout est lié à une centralité, Rome, qui ensuite applique son modèle aux colonies. Mais de manière similaire à ce que l'on a vu en Grèce, on atteste très tôt à Rome une volonté de codifier les normes et de les mettre par écrit. L'exemple le plus connu, et que vous connaissez probablement, est le cas de la loi des 12 tables, qui furent instituées en 450 avant notre ère, et qui résulte d'une volonté de la population romaine, plus particulièrement de l'élite, de mettre par écrit les normes civiques. À la fin de la période républicaine, on constate que l'organisation du système religieux et l'importance qui était accordée au maintien des bonnes relations avec les divinités, ce que l'on appelle la Pax Deorum, restait d'une très grande importance, et c'est ce que rapporte notamment l'orateur célèbre Cicéron dans l'un de ses traités, dont je lirai l'extrait si vous me permettez. Que l'on s'approche des êtres divins avec pureté, qu'on y apporte la piété, qu'on en écarte l'opulence. Qui agira différemment, le Dieu lui-même sera son justicier. Que personne n'ait de Dieu à titre séparé, ni de nouveau, ni d'étranger, à moins qu'officiellement admis. Qu'à titre privé, ils rendent un culte à ceux qu'ils ont régulièrement reçus de leur père. Dans les villes, que l'on ait des sanctuaires,
à la campagne, des bois sacrés et le siège des dieux lars. Que l'on conserve les rites de la famille et des ancêtres. Pendant les fêtes, qu'on éloigne les disputes, qu'on les célèbre pour les travaux achevés, au milieu des serviteurs, et afin qu'elles tombent normalement dans les plis de l'année, que cela soit disposé par écrit. Donc, ici, dans le propos de Cicéron, l'interdit de rendre le culte à des divinités qui ne sont pas officiellement reconnues par l'État montre l'importance du contexte civique et le rôle de la police dans la gestion des cultes civiques, il dit bien, à moins qu'officiellement admis. C'est un point sur lequel on reviendra plus tard sur un autre phénomène. Le propos de Cicéron montre également que l'action de Rome dans la codification des normes religieuses passe également par l'établissement de calendriers sacrificiels, qui ne constituent donc pas une forme de normes spécifiques aux cités grecques. Un autre exemple que je veux présenter pour Rome, c'est un ensemble de textes connus sous le titre de « Commentaires des frères Arval ». Il s'agit en réalité d'une compilation de comptes rendus des réunions de cette sodalité lors desquelles se tenaient les rites. Cette documentation ne constitue donc pas en tant que telle un calendrier, mais fait tout de même état des sacrifices qui étaient pratiqués par ce collège à des jours donnés. Ici, on retrouve les informations sur les acteurs qui sont là, le jour où ils sont réunis, et ce qui se passe ayant immolé au Capitole des victimes. Il acquitta les vœux que le président de l'année précédente avait prononcés et en formula de nouveau pour l'année suivante, etc. Les membres présents sont également mentionnés. On voit dès lors la préoccupation, comme en Grèce, d'encadrer minutieusement la pratique rituelle. Comme je l'ai dit, sont mentionnés le jour du rituel, le type de sacrifice qui est fait et l'identité spécifique de la divinité à invoquer. On remarquera que, comme en Grèce, le dieu, ici Jupiter, peut recevoir des qualifications spécifiques, le Jupiter que tout le monde connaît étant Optimus Maximus, très bon, très grand. Rien n'était donc laissé au hasard. À Rome, cette préoccupation est d'autant plus importante que le rapport à la religion s'organisait autour d'un lien très particulier qui unissait les hommes aux divinités, je l'ai dit, la Pax Deorum, qu'il convenait de préserver à tout prix, ou le cas échéant de restaurer par l'accomplissement de rites expiatoires. Si l'on cherche maintenant à examiner le processus qui a abouti à la codification de ces normes, on est toutefois bien en peine de le reconstituer autant en Grèce qu'à Rome. On l'a vu avec les inscriptions de Gambreion que je vous ai montrées, les calendriers sacrificiels, on a en fait l'état abouti, l'état validé, ratifié par l'Assemblée, qui a été mis sur pierre. Tout le processus de négociation, de codification, d'établissement des lois, tout ce qui préside à cela, en fait, on ne l'a pas. On ne l'a pas du tout. Et cela, entre autres, pour une raison qui est que pour la Grèce, comme pour Rome, on a perdu l'ensemble des archives. Donc les archives, conservées par exemple sur tablettes de bois, etc., dans des lieux spécifiques, enregistraient sans doute les procédures et les démarches institutionnelles. Tout ça nous a été perdu. Et alors, pour ceux qui étaient là la semaine passée, mes collègues de Mésopotamie, là, ont un matériau, qui sont retenus à Liège, ont un matériau exceptionnel, puisqu'on a, pour la Mésopotamie, conservé les archives. En Grèce en particulier, on n'a rien, donc on est bien en peine de le faire. Alors, je le nuance quand même, parce qu'on a, sinon on ne ferait pas de conférence, mais on a deux dossiers qui peuvent venir alimenter cette réflexion. Ils permettent d'apporter un éclairage particulier sur les dynamiques qui sous-tendent la production de normes en matière religieuse. Le premier dossier, nous sommes à Athènes, à la fin du 5e siècle. À cette époque, les institutions athéniennes, donc Athènes, décident de procéder à la révision de leur calendrier sacrificiel, comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Cette refonte du calendrier sacrificiel, elle était motivée parce qu'on constatait un décalage entre les sacrifices qui étaient enregistrés dans la régulation, dans la législation athénienne, et les sacrifices qui étaient effectivement pratiqués par la population, dans la communauté, dans l'Édème de l'Attique. Il a fallu unifier ce genre de pratique, ce type de pratique. Pour cela, la cité a mis en place une commission d'hommes, de citoyens, donc si vous voulez, un groupe de travail, dirait-on maintenant, c'est très à la mode, un groupe de travail pour collecter les différentes normes, pour collecter les différentes lois en vigueur à ce propos, de nature sacrificielle, et établir une nouvelle législation en cette matière, établir un nouveau calendrier. Évidemment, là, sur la pierre, vous avez l'étape finale, puisqu'on sait que la mission a été jusqu'au bout. Donc là, vous avez l'étape finale, le calendrier conservé sur pierre. Cet épisode de l'histoire athénienne est bien documenté par une plaidoirie qu'on doit au célèbre orateur athénien Lysias en 399. Alors, Lysias est un des grands orateurs, hein.
Dans son discours, vous l'aurez compris peut-être en lisant le titre, contre Nicomachos, dans son discours, Lysias accuse de trahison Nicomachos. Alors Nicomachos, c'était qui ? Nicomachos, c'était l'un des membres, justement, l'un des membres désignés de ces commissions dont je viens de parler, qui étaient chargés de compiler les différentes lois athéniennes pour produire un nouveau calendrier sacrificiel. Alors même si ce n'est pas l'objectif premier du discours, comme vous le voyez par le titre, le propos de Lysias fournit un témoignage qui est vraiment exceptionnel et qui montre le fonctionnement de la législation athénienne en matière religieuse, au moins pour la fin de l'époque classique. Alors vous l'aurez peut-être deviné par l'intitulé « Contre Nicomachos », on est quand même dans un contexte, il faut le replacer, qui est particulier. À l'époque, 399, on sort donc du 5e siècle et on sort des guerres du Péloponnèse. Le contexte est vraiment très polémique et très particulier de l'épisode. On sort des guerres du Péloponnèse où Athènes avait perdu face à Sparte, ce qui avait laissé la cité vraiment au bord de ses ressources. Ensuite, ça a engendré un certain coup de force, des certains coups politiques contre le régime démocratique qui était en place, ce qui fait que le climat athénien à l'époque était très instable et très propice à ce genre d'accusation. Et c'est précisément en fait une des raisons pour laquelle Lysias a accusé Nicomachos, c'est le non-respect de l'exercice démocratique, de cette sacro-sainte démocratie athénienne, qu'il n'aurait pas respecté. Vous l'avez en rouge, par exemple, il a dépassé le cadre de sa charge, notamment la durée. Vous savez qu'à Athènes, la durée des charges est très très codifiée, donc c'est plus intéressant de la respecter. Une autre des accusations spécifiques que Lysias porte à l'égard de Nicomachos et qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est d'avoir manipulé les lois, donc il insérait telle ou telle loi, on effaçait d'autres, c'est d'avoir inséré des lois dans le calendrier sacrificiel et d'avoir ajouté des sacrifices et des nouveaux cultes, ce qu'il aurait fait à son compte. Alors une petite première remarque, c'est que dans cette accusation de Lysias, hein, d'avoir ajouté des sacrifices, il ne faut pas y voir une marque d'impiété des nouveaux cultes, il ne faut pas du tout y voir une marque d'impiété. On n'est pas du tout dans ce registre-là. En fait, l'ajout de sacrifices, le problème sous-jacent, c'est que l'ajout de sacrifices risquait de déstabiliser les finances sacrées, donc les finances qui étaient octroyées, qui étaient allouées aux sacrifices. Il faut savoir que particulièrement à Athènes, les finances destinées aux sacrifices, c'est la plus importante partie des finances publiques. Donc risquer l'équilibre des finances sacrées, c'était en fait risquer l'économie générale de la cité, et c'est là que le bât blesse en fait. Ces accusations nous permettent toutefois d'entrevoir comment et jusqu'à quel point des citoyens pouvaient être impliqués dans des affaires qui relèveraient aujourd'hui, dirait-on, d'autorités proprement religieuses. Et pour preuve, Nicomachos prit dans l'opération un tel rôle que ça lui aura valu une accusation de trahison. C'est la preuve que les citoyens pouvaient aussi prendre part et activement, largement, à ces commissions et donc à ces réformes en matière religieuse. Une petite nuance tout de même, lorsque l'on observe le fonctionnement politique des cités grecques de manière générale, la procédure que vous avez ici, donc le fait de désigner une commission qui va établir des lois, des cahiers des charges ratifiés par l'Assemblée, c'est pas quelque chose de spécifiquement lié aux affaires religieuses, mais on les trouve par exemple dans des affaires qu'on qualifierait plus généralement de politiques. Lorsqu'il faut honorer un bienfaiteur étranger dans les cités, on met en place une commission de la sorte. Lorsqu'il faut octroyer le droit de cité, on met aussi en place des commissions, des projets des groupes de travail, comme on a dit tantôt. Sur ce plan, la gestion des affaires religieuses est calquée, ou en tout cas, elle suit celle des affaires civiques, politiques, de manière générale. Une procédure similaire est d'ailleurs très intéressante à cet égard, et elle est mise en place dans un tout autre cadre, qui est la codification de l'exercice des prêtrises civiques. Ce que doit faire le prêtre, les sacrifices qu'il doit pratiquer, les prières qu'il doit prononcer, ça relève de la décision de l'autorité de la cité. C'est la cité qui définit les droits et les devoirs des prêtres, en tout cas des prêtrises civiques. Dès lors, lorsqu'il s'agit de désigner un prêtre, la cité met également en place, peut mettre en place, des commissions du type que l'on a vu avec Nicomachos, et ces commissions, elles ont pour but de rédiger un règlement, vous voyez un exemplaire ici, un règlement qui va encadrer l'exercice de la charge sacerdotale. On lit par exemple dans une inscription de Kos, donc en mer Égée, on cite les hommes qui ont été choisis, ont rédigé ce règlement à propos des sacrifices, des honneurs et de la prêtrise. Pour le coup, c'est le roi eumène divinisé, ça fait écho à ce qu'on présentera demain.
À Kos comme à Athènes, la réglementation des cultes ne revient donc pas formellement à des experts en matière religieuse, mais à des citoyens, a priori, sans qualification nécessaire. Même si dans certains cas, des personnes ressources pouvaient intervenir dans la procédure, mais ce n'est jamais obligatoire et c'est toujours sur base ponctuelle. Cela s'explique du fait que dans l'Antiquité gréco-romaine, même l'accès à la prêtrise n'est pas conditionné par la détention d'un savoir préalable. Il n'y a pas de vocation, il n'y a pas de formation particulière, il n'y a pas de ce qu'on appelle aujourd'hui de séminaire. Il n'y a pas de formation pour devenir prêtre. Tout au plus, ces citoyens, donc qui rédigent ces normes en matière rituelle, en tout cas qui participent à cette étape-là, tout au plus, ces citoyens disposaient d'une certaine expérience dans les charges civiques qu'ils auraient acquises à travers l'exercice d'autres magistratures dans la vie politique des cités grecques. Et le cas de Nicomachos est encore plus intéressant, parce que Nicomachos, on ne sait pas très bien son statut juridique à Athènes, mais en tout cas ce qu'on est sûr, c'est qu'il se rapprochait plus d'un esclave, donc d'un homme de statut servile, que d'un citoyen de plein droit. Donc, il faut bien s'imaginer qu'Athènes a décidé de conférer cette importante, on l'a vu, cette importante mission qui était la refonte du calendrier sacrificiel à un homme qui avait un statut tout au plus incertain, tout au pire servile. Mais nuançons, c'est vraiment un cas exceptionnel dans notre documentation. On vient de le voir, si des citoyens agissent dans la codification des matières religieuses, c'est toutefois finalement l'assemblée populaire, en tant que représentante de la cité et de la communauté, qui valide et qui ratifie les décisions. En matière religieuse, c'est en fait à elle que l'autorité revient. On sait ainsi que dans l'organisation des séances à l'assemblée, au conseil, on traitait effectivement des affaires religieuses. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'est que les affaires religieuses, quand elles étaient traitées dans le conseil, elles disposaient quand même d'un traitement particulier. Elles étaient vous avez l'extrait à votre droite, elles étaient traitées en premier lieu et elles étaient traitées séparément du reste. En fait, le cadre de l'assemblée en Grèce constitue un superbe exemple de l'articulation des sphères politiques et religieuses dans les mondes anciens. La meilleure preuve, c'est que les séances à l'Assemblée et au Conseil, elles étaient encadrées d'un certain nombre de rites, notamment des prières et des sacrifices, toujours les mêmes actes qui reviennent, des prières et des sacrifices faits à destination de divinités spécialisées dans l'exercice politique, spécialisées dans la vie politique. Par exemple, regardez cette photo qui provient de Priène, donc c'est une représentation du Bouletérion, donc de la salle du conseil de Priène. Donc Priène, on est dans l'actuelle Turquie. Vous aviez donc les membres du conseil qui étaient sur les gradins. L'objet que vous avez juste au milieu, c'est un autel. Et donc vous aviez en début de séance, vous aviez un prêtre ou un magistrat qui faisait ces fameux sacrifice en ouverture de séance ici, et il faut vraiment s'imaginer que les yeux du public étaient rivés sur l'acte sacrificiel qui venait ouvrir les discussions et les débats menés au conseil ou à l'assemblée. On voit par là l'importance évidente que les communautés attribuaient au domaine religieux, à ce domaine. La gestion des affaires sacrées au sein des commissions que l'on vient de décrire, puis de l'Assemblée, a toutefois une implication importante sur la nature des réglementations religieuses. L'Assemblée était le lieu de débat. Ça n'a a priori pas changé d'aujourd'hui. Et en théorie, tout citoyen pouvait proposer des amendements sur des propositions émises dans ce contexte. Je vous rappelle le cas de l'inscription de Gambrion qu'on a vu en début de conférence. Vous aviez cet homme, Alexon, qui se levait et qui proposait certains amendements sur des lois en matière de deuil. En Gambrion, c'était le deuil. Les affaires religieuses n'échappent donc pas à ces discussions, à ces négociations qui ont lieu dans ce cadre. Si vous prenez par exemple les deux textes que vous avez sur la diapositive, les deux textes réglementent le même culte. C'est un culte de Dionysos sur l'île de Kos, donc pareil que l'inscription que vous aviez juste avant. Et on sait qu'entre l'un et l'autre amendement, entre l'une et l'autre inscription, donc validée et ratifiée en assemblée, on le sait, par la cité, on a introduit des changements. Dans le premier cas, la prêtresse aura minimum 12 ans. Dans le deuxième cas, la prêtresse aura minimum 10 ans. Donc la cité peut, de fait, intervenir dans l'organisation des cultes. Ce n'est pas quelque chose de sacro-saint qui est figé. Elle peut intervenir dans la régulation des cultes et elle peut même proposer des modifications. On n'est pas très sûr, on n'est même pas sûr du tout, de l'explication de ces modifications. Pourquoi est-ce qu'on a changé l'âge? Mais en tout cas, ce qu'on soupçonne, c'est qu'il y a des motivations qui sont politiques et liées à des négociations en interne.
en interne de l'Assemblée, évidemment. En conséquence, le cadre et la procédure à laquelle est soumise la production des normes religieuses éclairent d'emblée l'entrecroisement de ce que l'on conçoit aujourd'hui comme deux sphères séparées, politique et religion, mais qui, dans l'Antiquité, sont indissociables. C'est une même procédure qui régit les affaires de l'un et de l'autre domaine, donc l'Assemblée et ses procédures de commission et de validation. Ce sont les mêmes personnes qui les prennent en charge, des magistrats ou des citoyens. Et c'est dans un même cadre, le cadre de l'Assemblée, du Conseil, qu'elles sont gérées. Comme on le voit par les deux cas que je vous ai montrés, les normes rituelles peuvent donc être dans une certaine mesure négociées par et à l'intérieur des communautés. Évidemment, il n'en reste pas moins que pour être valables, ces normes doivent s'articuler avec d'autres sources législatives dans les cités. On ne peut pas non plus faire ce qu'on veut dans ce domaine. Quand l'Assemblée crée, quand elle ratifie des lois, quand elle propose de nouvelles normes en matière religieuse, et pas que, ces normes doivent s'intégrer plus généralement dans le cadre législatif des cités grecques. À l'inverse, ça nous permet de faire le constat que les normes religieuses font partie de la codification législative, font partie des codes de loi des cités, font partie de la législation civique. Plusieurs normes, par exemple, évoquent des lois préalables auxquelles elles doivent se conformer. Dans le premier extrait que vous avez ici, dans le premier passage, on parle d'une prêtresse de la Mère des Dieux, et on dit qu'elle doit exercer selon la loi. Alors le grec dit « kata ton nomon ». Ça vous rappellera peut-être quelque chose d'une des premières inscriptions que l'on a vues. Le deuxième extrait, le deuxième passage, nous parle des coutumes. En grec, c'est kata tata nomizomena. Donc dans le premier cas, on avait nomon, dans le deuxième, on avait nomizomena. Peut-être que vous entendez déjà en fait quelque chose de similaire. C'est en fait que nomon et nomizomena convoquent une même idée, convoquent une même racine, qui est la racine nem, que je vous ai mise en bas, qui mobilise cette idée de partage et de juste répartition. Peut-être s'il y a des gens qui sont intéressés par la mythologie, vous connaissez peut-être Némésis qui préside à ces deux domaines. Les deux formes d'autorité, donc nomos et nomizomena, convoquent une idée similaire, mais toutefois distincte. Le nomos, la loi, en français, enfin, une des traductions possibles, c'est la loi, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, d'identifiable, qu'on peut par exemple citer, qu'on peut par exemple voir sur l'agora, voir sur l'assemblée, elle est affichée sur une pierre, par exemple, elle est identifiable, on peut même la convoquer en procès. Là où les nomizomena, c'est beaucoup plus abstrait, et le français coutume le rend aussi. C'est un ensemble de liens c'est un ensemble, on parlerait de patrimoine culturel si l'on veut aujourd'hui, c'est un ensemble de liens qui tire ses racines dans l'ancienneté de la communauté, qui nous paraît à nous beaucoup plus abstrait, et qui était souvent transmis de manière orale dans la communauté, au sein de la communauté. Dans le discours de Lysias, c'est le même que tout à l'heure, on nous parle de la tradition des ancêtres. En grec, c'est kata ta patria. Alors peut-être que dans patria, vous entendez pater, le père. Ce sont en fait la tradition, les coutumes des pères, les coutumes ancestrales. Et donc là, on insiste encore plus que dans le nomizomena sur le fait que cet ensemble de liens, ces traditions, tirent leurs racines dans le passé de la communauté. C'est précisément cette ancienneté qui leur confère, à ces nomizomena, à ces patrias, qui leur confère une autorité importante, ce qui contraste aussi avec notre propre conception du passé et de l'ancien. Les sources de l'autorité religieuse, lorsque l'on crée une loi, ne sont donc pas uniques, on n'est pas face à un livre, elles sont plurielles, et elles peuvent changer en fonction des motifs, en fonction des motivations dans lesquelles elles sont convoquées, et en fonction des contextes dans lesquels elles s'appliquent. Alors jusqu'alors, on a vu comment ces instances d'autorité s'articulaient, étaient mobilisées dans la production de normes rituelles. Passons maintenant de l'étape de la codification, dont on vient de parler, à une autre étape qui est celle de la légitimation, de la régulation, pour le dire plus largement, c'est-à-dire tentons d'observer comment ces normes peuvent venir légitimer ou justifier une pratique religieuse existante. Et pour ce faire, cette réflexion trouve dans le monde romain, qui est fondamentalement un peuple de juristes, beaucoup, beaucoup plus que les communautés grecques, elle trouve dans le monde romain un matériau beaucoup plus ample pour réfléchir à la question de la fonction légale de la norme.
Si nous partons à Rome, on retrouve un système normatif qui a connu une codification très tôt dans l'histoire romaine et qui a également connu le développement d'un vocabulaire très spécifique, avec des notions qui peuvent être familières, comme le ius, qui est généralement traduit par le droit et qui se décline en droit public, droit pontifical, augural ou encore fécial, la lex, qui est la loi, l'edictum et le decretum, l'édit et le décret. Mais on retrouve également des notions beaucoup plus abstraites et plus difficilement traduisibles, comme le fas, ce qui est autorisé ou non, le mos maiorum, qui vous rappellera la coutume ancestrale chez les Grecs, ou encore les caerimoniae, qui sont les règles ou les pratiques rituelles. Toutes ces normes ont une validité sociale et des sphères d'application qui sont bien distinctes, mais qui peuvent se révéler complémentaires dans certaines situations. Sans toutefois pouvoir parler de hiérarchie entre toutes ces normes, puisque la lecture des sources antiques nous indique clairement qu'il n'y avait pas de hiérarchie normative à Rome, on peut analyser le rôle et la place attribuée par les anciens à ces normes, ainsi que l'articulation découlant de leurs interactions dans des situations de conflictualité. C'est ce que je souhaite vous présenter par l'exemple de la consecratio romaine, la consécration. L'acte de consécration à Rome consistait à dédier un objet, un espace ou une personne à une divinité, c'est-à-dire à le rendre sacré. C'est un acte qui était généralement accompli par un magistrat, accompagné par un prêtre, le plus souvent un pontife, permettant ainsi de faire passer cet objet ou cet individu de la sphère humaine à la sphère divine. La consécration romaine antique recouvre un ensemble de procédures distinctes, mais qui peuvent se révéler complémentaires dans certaines situations, et sont ainsi distinguées la consécration des biens, la consécration d'un individu ou d'un empereur, ou encore la consécration de certains édifices publics. On retrouve cette classification dans une notice d'un abréviateur appelé Festus au IIe siècle de notre ère, qui dit, reprenant les propos d'un juriste tardo-républicain, Aelius Gallus définit comme sacré ce qui a été consacré de quelque manière et par une décision de la cité, que ce soit un temple, un autel, une statue, un emplacement, de l'argent ou quoi que ce soit d'autre qui puisse être dédié et consacré au dieu. Mais si des particuliers dédient à un dieu une de ces choses en raison d'un motif religieux personnel, les pontifes romains ne le considèrent pas comme sacré. Par les acteurs que la procédure engage donc, on voit ici l'entrelacement dans l'opération entre les sphères politiques et religieuses qui nous semblent à nous modernes distinctes. C'est bien un magistrat qui consacre un temple ou qui en fait la dédicace, mais il doit obligatoirement être accompagné par un prêtre qui lui récite les paroles rituelles nécessaires. De fait, le droit de consécration relevait du droit pontifical, du ius pontificale. Et alors que c'est le magistrat en tant que magistrat qui accomplit le rite, le prêtre va permettre par sa présence et par son rôle de récitateur de valider le rite du point de vue de la législation religieuse. Sans sa présence, l'acte serait considéré comme invalide par la communauté et par les instances romaines. On voit tout de suite que le recours à une expertise religieuse était donc davantage officialisé à Rome qu'en Grèce. Évidemment, la cité n'était pas absente de la procédure. Le rôle de la civitas, du peuple civique, est également mentionné par Festus, et il joue un rôle déterminant. En effet, comme nous le verrons un peu plus tard, sur les cas un peu plus précis, le peuple participait au processus du rituel de consécration en donnant son accord sous la forme d'une loi, d'une lex, au magistrat. Si le peuple refusait la demande de consécration, le magistrat était alors en situation d'illégalité s'il accomplissait malgré tout le rite. Le magistrat, vous l'aurez compris, était donc soumis à deux conditions afin de pouvoir effectuer une consécration considérée comme légale. Il devait d'une part être accompagné durant le rite par un membre du collège pontifical et d'autre part, il devait avoir reçu l'accord du peuple ou du peuple réuni en comice ou du concile de la plèbe lorsque c'était un tribun qui faisait la consécration. Pour aujourd'hui, les exemples que je présenterai seront limités à la consécration des édifices publics en vous proposant donc de découvrir ce type de consécration à travers un exemple précis qui permettra de mettre en exergue l'articulation des normes concernées. Et j'ouvrirai mon propos en reprenant un épisode spécifique daté de l'année 304 avant notre ère et qui est rapporté par l'historien romain de l'époque augustéenne Tite Live au livre 9, dont voici la lecture. Donc, malgré la vive opposition des nobles, Gnaeus Flavius consacra le temple de la Concorde sur la place de Vulcain. Le pontifex Maximus Cornelius Barbatus affirmait que d'après la tradition des ancêtres, seul un consul ou un général pouvait dédier un temple.
Il dut, en dépit de ses protestations et sous la pression du peuple unanime, lui dicter les formules consacrées. C'est pourquoi le Sénat soumit au suffrage populaire une loi interdisant de dédier un temple ou un hôtel sans décision du Sénat ou de la majorité des tribuns de la plèbe. On a donc ici affaire à une consécration qui a été contestée par les nobles, mais également par le grand pontife présent, car elle ne respectait pas les dispositions du droit pontifical et du mos maiorum, de la tradition des ancêtres. Dans cet exemple précis, on a donc un édile de la plèbe, Gnaeus Flavius, qui parvint à consacrer un temple à la Concorde, en dépit de la contestation du grand pontife présent, Cornelius Barbatus. Ce dernier va invoquer à son secours le mos maiorum, la coutume des ancêtres, selon lequel seul un consul ou un détenteur d'imperium pouvait dédier un temple, l'imperium étant la forme la plus haute de la potestas, qui impliquait une série de droits et de devoirs, mais qui n'était attribuée qu'à certaines magistratures, la dictature, le consulat et la préture. Comme les nomizomena dans le monde grec, le mos maiorum à Rome, bien que de nature orale et n'ayant aucune codification précise, était considéré comme une norme à part entière, intégrée dans cet exemple-ci au droit pontifical. Le pontife, dans l'exemple de Tite-Live, n'étant pas parvenu à empêcher la consécration, celle-ci est considérée comme illégale du point de vue du droit pontifical. À ce titre, le Sénat décide de réagir immédiatement et de renforcer la réglementation du droit de consécration en promulguant un senatus consulte, dont le contenu sera avalisé par le peuple réuni au sein des comus, devenant ainsi une lex, une loi. Désormais, quiconque souhaitait consacrer un temple devait recevoir l'accord préalable d'une majorité du Sénat ou des tribuns de la plèbe. On voit donc ici que l'on a affaire à un cas de renforcement de la norme qui pousse même à en produire une nouvelle, le mos maiorum, la coutume, et renforcée par une loi, afin d'éviter qu'à l'avenir une telle situation puisse se représenter. Cette loi de 304 avant notre ère marque donc un tournant majeur dans la réglementation du droit de consécration, mais elle reflète également les changements structurels en cours à cette période. En effet, depuis la moitié du IVe siècle avant notre ère, l'élite dirigeante romaine était composée par les grandes familles patriciennes et plébéiennes, mais les plébéiens étaient toujours maintenus à l'écart de certains sacerdoces, le pontificat et l'augurat notamment, et de certaines magistratures patriciennes. Contraindre le grand pontife à lui dicter les paroles rituelles pour accomplir le rite de consécration représente donc une victoire fondamentale pour Gnaeus Flavius, mais également pour la plèbe, ce qui déboucha probablement quelques années plus tard, en 300 avant notre ère, à l'ouverture des sacerdoces patriciens qui étaient restés jusque-là fermés, le pontificat et l'augurat. Néanmoins, en dépit de cet événement, les dédicaces que nous connaissons après 304 avant notre ère sont restées aux mains des détenteurs d'imperium, et ce, au moins jusqu'à la fin du IIIe siècle. Il apparaît donc que la loi de 304, loin d'accorder un réel pouvoir de participation aux plébéiens dans la réglementation des cultes publics, était davantage destinée à renforcer, en le modifiant, le mos maiorum, et à défendre surtout les intérêts des patriciens et du Sénat. À la fin de la période républicaine, un nouvel épisode va rappeler cette problématique. Il s'agit de la consécration de la maison de Cicéron par un tribun de la plèbe, Publius Claudius Pulcher, en 58 avant notre ère. Alors, afin de comprendre comment la maison de l'orateur a pu subir un tel sort, il convient de remonter un peu le temps et de retourner à l'année 63 avant notre ère. Cicéron, à cette époque, était donc consul. Et à la suite d'une enquête minutieuse qu'il mena, il parvint à déjouer et à dénoncer le fameux complot ourdi par Catilina et ses complices. Démasqué publiquement, Catilina va prendre la fuite et certains de ses complices vont rester à Rome. Après plusieurs combats en dehors de Rome, dont j'épargne les détails, Catilina va perdre la vie et Cicéron retourne à Rome. Néanmoins, face à la menace éventuelle que pouvaient toujours représenter les complices de Catilina, Cicéron va décider de les faire exécuter, et ce, sans recevoir l'aval du peuple. Ce faisant, il se rendait coupable d'une exécution sommaire de citoyens romains, sans procès populaire, ce qui allait à l'encontre des lois romaines. Le consul, donc, par cette décision, prenait le risque de se faire condamner, mais il ne fut toutefois pas inquiété ni par le Sénat, ni par le peuple. Ce fut néanmoins cet événement qui précipita sa chute politique et Cicéron fut contraint de s'exiler quelques années plus tard sous la pression de son ennemi Claudius Pulcher. En effet, ce dernier cherchait à faire tomber Cicéron par tous les moyens et il avait fait voter plusieurs lois condamnant l'ancien consul à l'exil, comme nous le rapporte Velleius Paterculus par exemple dans cet extrait,
où il reprend donc le contenu de la loi qui fut votée. Quiconque aurait fait périr un citoyen romain qui n'aurait pas été condamné serait interdit d'eau et de feu, c'est-à-dire serait condamné à l'exil. Un autre auteur antique, cette fois-ci grec, Plutarque, nous informe qu'après la fuite de Cicéron, ses biens furent confisqués et sa maison fut détruite. Après avoir chassé Cicéron, Clodius incendia ses villas et incendia sa maison, sur l'emplacement de laquelle il bâtit un temple de la liberté. Il mit en vente ses autres biens et renouvelait tous les jours la mise aux enchères, car personne ne voulait rien acheter. On apprend ainsi que Clodius a consacré un sanctuaire à la Libertas sur l'emplacement de la maison de Cicéron qui était désormais détruite. Il se fit aider dans sa tâche par un pontife, Pinarius Nata, qui n'était autre que son beau-frère qui était récemment entré dans le collège pontifical, et c'est donc lui qui lui récita les formules rituelles nécessaires à l'accomplissement du rite. Quelques mois plus tard, le Sénat et le peuple vont finalement changer d'avis et vont faire voter une loi en faveur du retour de Cicéron à Rome, grâce à l'appui notamment de Pompée. Et dès son arrivée à Rome en 57 avant notre ère, Cicéron, qui n'avait pas su récupérer ses biens, va décider de s'adresser directement au collège pontifical. Cette institution était la gardienne du droit sacré à Rome, du Ius Sacrum, dont faisait partie le droit de consécration. Dans son plaidoyer, Cicéron va contester plusieurs faits, la consécration en elle-même, mais également la carrière de Clodius en tant que tribun de la plèbe, point sur lequel je ne peux m'attarder aujourd'hui. Mais au-delà de tous ces nombreux aspects techniques et de la dimension polémique de ce passage, l'intérêt de cet épisode est d'illustrer comment le droit en matière religieuse va être convoqué pour montrer, en l'occurrence, l'invalidité d'une pratique. Concernant la consécration en elle-même, la problématique qui est soulevée par Cicéron dans son discours face au pontife concerne la validité de la consécration du point de vue du droit public, mais également du point de vue du droit pontifical. Tout d'abord, Clodius était tribun de la plèbe. On s'attendrait donc, au vu de sa fonction, de son titre, à ce qu'il accomplisse une consécration tribunicienne et non pontificale, comme il a fait. La consécration tribunicienne est différente dans son objectif, mais également dans son origine, de la consécration pontificale. Une consécration tribunicienne est le résultat d'une atteinte physique portée sur un tribun de la plèbe et elle requiert la présence d'un flûtiste, mention qu'on ne retrouve pas pour une consécration pontificale. La consécration pontificale, quant à elle, peut résulter de différentes situations, mais qui sont toutes évaluées à la lumière du droit pontifical. Elle requiert également la présence obligatoire d'un pontife et la décision d'une consécration pontificale est officialisée par les comices populaires sous la forme d'une lex, ou par le concile de la plèbe sous la forme d'un plébiscite, qui va donc désigner de façon précise le magistrat qui doit accomplir la consécration. La consécration tribunicienne est apparue lors des sécessions plébéiennes du 5e siècle avant notre ère et visait avant tout à défendre les magistrats de la plèbe. Toute atteinte physique à un tribun de la plèbe était donc punie à la suite d'une condamnation par une consécration des biens du coupable à la déesse Cérès, comme le rapporte Tite Livre au livre 3 de son histoire romaine. On retrouve d'autres exemples de consécration tribunicienne à la fin de la période républicaine, que Cicéron va rappeler dans son discours face au collège pontifical, comme Gaius Atinius, qui, au temps de nos pères, consacra les biens de Quintus Metellus, qu'il avait expulsé du Sénat pendant sa censure, après avoir placé un trépied sur les rostres et appelé un flûtiste. Certains chercheurs modernes ont voulu voir dans le choix de Clodius d'accomplir une consécration pontificale et non tribunicienne une forme de laïcisation de la procédure tribunicienne en matière de consécration. En effet, contrairement à la consécration pontificale qui avait gardé toute son efficacité à la fin de la période républicaine, les consécrations tribuniciennes semblaient avoir perdu la leur et Cicéron en présente plusieurs exemples que je vous ai repris dans le second extrait en dessous. Donc on retrouve le passage de Gaius Atinius, qui a consacré les biens de Quintus Metellus, et Cicéron dit, et après, cette folie furieuse du tribun de la plèbe, fondée sur quelques exemples de la plus haute antiquité, a-t-elle porté préjudice à un homme aussi éminent et illustre que Metellus ? Non, sans doute. Nous avons vu un tribun de la plèbe traiter de même le censeur Gnaeus Lentulus. A-t-il donc imposé aux biens de Lentulus le moindre empêchement religieux ? À ton exemple, Ninius n'a-t-il pas consacré tes biens ? Donc là, il s'adresse directement à Clodius. Si l'acte est valable, ta maison, du moins, et tout ce que tu as d'autre sont consacrés à Cérès. Si ce n'était qu'une farce, est-il un être plus impur que toi, qui a souillé toute religion par l'imposture ou le sacrilège ?
On constate donc que toutes ces consécrations tribuniciennes datées des dernières décennies de la République romaine ne furent suivies d'aucun effet. Néanmoins, l'hypothèse d'une éventuelle laïcisation de la procédure tribunicienne n'est plus considérée comme valide aujourd'hui. En effet, si ce rite avait effectivement été laïcisé, alors que la religion romaine relève avant tout de la bonne performance d'un acte rituel, rappelez-vous l'orthopraxie de la religion romaine, comment expliquer que cette laïcisation n'ait pas également touché le rite de consécration pontificale ? Maintenant, si l'on s'intéresse un peu plus près à l'argumentaire et aux questions que va poser Cicéron contre la consécration qu'a fait Claudius, essayons de comprendre et de voir sur quel fondement normatif s'appuyait Claudius pour valider sa consécration. Ici, deux passages du discours de Cicéron qui mettent en exergue plusieurs normes qu'il invoque, en s'adressant évidemment à Claudius. Hein. « Qui étais-tu, toi qui dédiais ? Quel droit, quelle loi, quel exemple, quel pouvoir avais-tu ? Quand le peuple romain t'en avait-il chargé ? Je vois en effet qu'une ancienne loi tribunicienne interdit de consacrer sans l'ordre de la plèbe ni édifice, ni terre, ni autel. » Et un peu plus loin, « Mais je me demande quelle loi t'a autorisé à consacrer ma maison, où tu en as reçu le pouvoir, de quel droit tu l'as fait ? Et je parle maintenant non pas de religion, mais des biens de nous tous, non pas de droit pontifical, mais de droit public. » La loi Papiria interdit de consacrer des édifices sans l'ordre de la plèbe. J'admets qu'elle concerne nos maisons et non les temples publics. Cicéron possède ici, en quelque sorte, de la même manière que Lysias dans le monde grec, il invoque un ensemble de registres normatifs, le ius, la lex, l'exemplum ou encore la potestas, pour démontrer la mauvaise conduite de son opposant. Il lui demande de façon très précise sur quel fondement normatif il se fonde pour légitimer sa consécration, point sur lequel nous n'avons pas de réponse et pour cause. On constate également que ces deux extraits, ces deux passages-ci, nous informent sur l'existence d'une ancienne loi tribunicienne dont nous connaissons son nom, la Lex Papiria, qui réglementerait le droit des dédicaces des aïdès. Alors le mot aïdès est le plus souvent traduit par temple, mais il peut également désigner des maisons privées. Et c'est en ce sens qu'il convient de l'interpréter dans ce passage. Que savons-nous de cette fameuse Lex Papiria dont parle Cicéron et qui semble être la norme applicable à son époque dans le cadre des consécrations ? En réalité, nous ne savons pas grand-chose. Sa datation, tout d'abord, est inconnue. On estime une certaine datation, mais on n'a pas de date précise. Certains chercheurs modernes ont voulu rattacher la Lex Papiria à la loi de 304 avant notre ère, présentée par Tite-Live, que nous avons vue tout à l'heure, mais il s'agit en réalité de deux normes différentes. Rappelez-vous, la loi de 304 avant notre ère avait été votée par le peuple et elle complétait le Mos Maiorum en requérant l'accord majoritaire du Sénat ou des tribuns de la plèbe pour une consécration effectuée par un magistrat détenteur d'un imperio. La Lex Papiria, ici présentée par Cicéron, est quant à elle un plébiscite, c'est-à-dire votée par le concile de la plèbe, et elle réglementait l'acte de consécration en lui-même en requérant l'accord préalable du peuple ou de la plèbe à toute consécration. La prise en considération de tous ces éléments permet donc d'estimer que la Lex Papiria mentionnée par Cicéron est postérieure à celle de 304 avant notre ère. Elle fut probablement votée après la Deuxième Guerre punique, qui eut lieu entre 218 et 201 avant notre ère, période durant laquelle on observe une augmentation importante de l'activité législative à Rome. La loi Papiria agirait donc comme un substitut, plutôt comme un complément de la loi de 304 avant notre ère, en modifiant les acteurs qui avaient voix au chapitre et en accordant davantage de pouvoir au peuple. Désormais, l'accord du peuple ou celui de la plèbe devenait le prérequis nécessaire à toute consécration. Et c'est justement cet accord du peuple, plus particulièrement celui du concile de la plèbe, qui manquait à Claudius, qui était tribun, pour que sa consécration soit valide légalement, c'est-à-dire du point de vue du droit pontifical. Pour illustrer cet argument, Cicéron mentionne d'autres exemples de consécration qui furent invalidées pour les mêmes raisons que celles qu'il invoque pour celle de Claudius. En s'adressant cette fois-ci au collège pontifical, Cicéron dit « Vous pouvez trouver dans vos registres que le censeur Gaius Cassius consulta le collège des pontifes sur la dédicace d'une statue à la Concorde et que le grand pontife Marcus Aemilius lui répondit au nom du collège qu'à son avis, s'il n'avait pas été désigné nommément par le peuple romain et s'il n'agissait pas sur l'ordre du peuple, la dédicace ne pouvait être valable.
Un second exemple, qui concerne cette fois-ci une vestale, Licinia, qui avait consacré un autel, une chapelle et un lit sacré au pied de la colline de l'Aventin. Là-dessus, le prêteur Sextus Iulius n'a-t-il pas, sur l'avis du Sénat, consulté ce collège sur la question ? Et alors le grand pontife Publius Caevola répondit pour le collège que la dédicace faite en un lieu public par Licinia, fille de Gaius, sans l'ordre du peuple, ne paraissant pas avoir de caractère sacré. Le point commun, donc, entre toutes ces dédicaces est l'absence de l'accord du peuple pour l'accomplissement du rite. Et dans le cas de Claudius, avec la maison de Cicéron, c'est effectivement sur ce point que les pontifes vont se prononcer, invalidant ainsi la consécration. Nous connaissons le contenu du décret pontifical qui a été prononcé en 57 avant notre ère, donc après le discours que fit Cicéron, grâce encore une fois à Cicéron qui en transmit le contenu dans l'une de ses lettres et dont j'ai repris le propos ici. Donc les pontifes se sont décidés en disant que si celui qui déclarait avoir consacré le terrain n'en avait été nommément chargé ni par un vote des comices ni par un plébiscite, si aucun vote des comices ni plébiscite ne l'y avait invité, il paraissait qu'on pouvait, sans enfreindre une interdiction religieuse, acheter, restituer ce terrain. Afin de faire un peu plus simple, voici un schéma qui reprend tout ce que j'ai dit avant. Et donc, en vert, elle représentait la procédure classique qu'aurait dû suivre Claudius ou tout autre magistrat qui souhaite faire une consécration. En rouge, sans pointillé, est la procédure suivie par Claudius, c'est-à-dire pas grand-chose, juste en haut à droite. Et en rouge, pointillé, c'est la procédure qu'il aurait dû suivre. Lui, en tant que tribun, aurait dû donc consulter le concile de la plèbe, qui aurait dû le nommer de façon explicite par un plébiscite, pour qu'il puisse procéder à la consécration, ce qu'il ne fit pas, puisque lui, il prit seulement son beau-frère, qui faisait partie du collège pontifical, afin d'accomplir le rite, sans consulter personne, ni le peuple, ni le collège pontifical dans son ensemble, et il fit ça un peu de son côté. J'espère donc avoir réussi, par cet exemple de la consécratio romaine, qui n'est évidemment pas évident, hein, à vous donner un aperçu de l'articulation des normes romaines, aussi bien publiques avec les lois que religieuses, avec le droit pontifical, mais aussi à rendre plus compréhensible la façon dont l'interaction entre les normes qui mettent en jeu différents acteurs institutionnels conditionnait la pratique rituelle à Rome durant la période républicaine. Avec le schéma, vous avez vraiment la preuve que les Romains, c'est un peuple de juristes, de fait. Alors, au terme du parcours que nous avons mené entre Grèce et Rome, les témoignages des deux cultures illustrent des aspects différents, mais au fond complémentaires, du fonctionnement des normes, et pour nous, pour ce qui nous intéresse, des normes en matière religieuse. Il en ressort que dans les deux cultures, la codification des normes, qui encadre l'exercice de la pratique religieuse, s'inscrit sur l'arrière-plan des législations existantes au sein des cités grecques et des coutumes des communautés que ces normes doivent respecter. On peut dans certains cas même entrevoir des dynamiques d'articulation entre ces différentes sources d'autorité. On l'a vu pour les mondes grecs entre les normes de Zoména, les patria, et les nomoi. On l'a vu pour le côté latin entre le mos maiorum et les leges. Mais dans les deux mondes, la relation qui unit ces formes de législation reste toujours fluide, reste toujours flexible, surtout en raison de leur nature. Les premières relèvent de la transmission et de la tradition orale, là où les secondes relèvent de décisions civiques prises dans le cadre de l'Assemblée, ce qui sous-tend des négociations en interne entre citoyens. Notre arrière-plan, influencé par l'histoire européenne moderne, a souvent conduit à établir une stricte division entre politique et religion. Comme on l'a vu, par les exemples proposés, le cadre de la vie religieuse de ces communautés anciennes est foncièrement collectif, il est communautaire. En Grèce et à Rome, la codification et la régulation des matières religieuses relèvent donc d'une prérogative de la cité, qui représente en tant que représentante de la communauté ce qu'elle fait par l'intermédiaire de certains de ses membres. La norme, elle est élaborée, elle est façonnée, interprétée, transformée dans un contexte civique, pour ne pas dire politique au sens étymologique, donc polis en grec, ça veut dire la cité. Les membres qui constituent les communautés peuvent influencer l'opération en fonction des situations historiques, en fonction des motivations politiques. Ces normes peuvent à l'inverse réaffirmer des pratiques existantes ou légitimer des actions passées. Le cas de Lysias et de Nicomachos autour du calendrier sacrificiel l'a montré pour la Grèce. Le cas de Claudius et Cicéron l'a montré pour Rome.
Les deux sphères, donc, de la religion et de la politique, sont au fond vraiment difficilement dissociables dans les mondes grecs et romains. Elles le sont d'autant moins que dans la mentalité des anciens, à Rome comme en Grèce, les actions menées dans l'un et l'autre domaine n'ont finalement qu'un seul et unique objectif, servir les intérêts de la communauté, ce qui passe avant tout par le maintien d'une bonne relation avec ses dieux. Merci beaucoup.